Mais qui va là dans la tête, les stupes, les stupes qui barrent dans la tête. Mais qui va là dans la tête, les stupes qui barrent dans la tête. Mais qui va là dans la tête, les stupes qui barrent dans la tête. Mais qu'est-ce qui cherche dans la tête, tu veux grave des chutes sur des kilos de zèze. Mais qui va là dans la tête, les stupes qui barrent dans la tête. Donc, vous me dites que l'officier Flip n'a jamais eu de comportement de la sorte auparavant ? Disons que c'est pas son genre. Ah ouais ? Alors expliquez-moi ces 567 plaintes effectuées à son encontre. Fake news. Mais c'est un assassin ! De qui faut parler ? Oh, on parlait pas de Philippe ? Je vous ai posé encore aucune question. Ah ! Mais il tue des gens ! J'en peux plus de me lever le matin pour aller au boulot. Franchement, tous les jours, ils m'humilient, tout ça, tous, ils me parlent même pas, ils en ont rien à foutre de ma vie, franchement, ils en ont rien à foutre, même mon prénom, je sais même pas s'ils le savent, la vérité, j'en peux plus. Avez-vous des problèmes à gérer votre équipe, Capitaine Bernardier? Répétez-moi ça, là, je... C'est une simple question. C'est bien mignon, mais enfin, je vois pas trop ce que mon cas vient foutre dans le panier, sans indiscrétion. Le matin du drame, il m'avait écrit une lettre, oui. Une lettre? Oui, effectivement, il m'avait... Vous voulez que je la lise? Je pense pas... Cher Makayabu, j'ai écrit cette lettre car j'ai un plan. Cette nuit, je vais encore tuer des gens. Quand il dit tuer des gens, retenez bien, c'est avec les gazés, les couteaux, les calaches, hein. Pou, hein. Mais ils savent, hein. Ils savent très bien que tout leur cerveau là réuni, ça vaut même pas la moitié du mien. La tête de ma mère, ils savent même pas. La vérité, ils connaissent même pas mon prénom. Ils en ont rien à foutre de ma vie si je meurs. Ils en ont rien à foutre, Julienne. Rien à foutre. Donc là, attendez, là, on remet mon travail en cause alors que c'est Philippe qui a essayé de buter un enfant à peine pubère devant une foule endiablée. Parlez-moi un petit peu plus de ce qui s'est passé. Il y a rien juste sous la panique. C'est juste ce qui arrive, je sais pas. Certes, mais je parlais plutôt de votre comportement à vous et à votre équipe lorsque vous avez pris la poudre d'escampette. J'en ai un tout autre souvenir. Je sais que dans cette équipe, tout le monde se pose la même question. Si je suis fou, alors je vais y répondre aujourd'hui. Oui, je le suis. Mais cette ville a besoin d'hommes comme moi. Cette ville a besoin d'hommes comme moi afin d'être redressée. Alors oui, il y a des morts. C'est vrai. Mais n'est-ce pas là un léger sacrifice afin de pouvoir vivre en paix? Dites-moi. Vous êtes relevé de vos fonctions. De manière immédiate. Madame l'enquêtrice, dans la lettre qu'il m'a envoyée, j'ai oublié de vous dire, il tue pas les matins que les soirs. Mais qui va là dans la tête, les stupes qui barrent dans la tête. Mais qui va là dans la tête, les stupes qui barrent dans la tête. Mais qui va là dans la tête, les stupes qui barrent dans la tête.